Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de passer des manches en illimité et qui peut même vous servir à débloquer le camouflage Dark Eater très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il vous faudra un hélicoptère d'attaque. Ensuite, vous allez devoir vous rendre au site du crash au même endroit que moi. Et ensuite, de monter sur l'obstacle comme vous le voyez. Quand vous êtes sur cet obstacle, vous allez devoir vous mettre au bord de cet obstacle, ensuite sauter et activer votre hélico d'attaque. Pour qu'ensuite, quand vous sortez de votre hélico d'attaque, vous soyez à moitié sur l'obstacle et à moitié dans le vide. Si vos pieds marchent genre dans le vide, ça veut dire que vous avez réussi le glitch. Sinon, il faudra recommencer. Alors très important, quand vous êtes sur l'obstacle, il va falloir sauter et activer l'hélico d'attaque. Mais il faut faire en sorte que quand vous sautez, votre personnage va retoucher le coin de l'obstacle avant de tomber. C'est ça qui va faire que votre personnage sera à moitié sur l'obstacle et à moitié dans le vide. Donc au début, vous allez peut-être galérer, mais au bout de 3 et 4 essais, logiquement, vous allez y arriver facilement. Alors, ce qui est bien avec ce glitch, c'est que tout le monde va pile-up en dessous de vous, que ce soit le boss, les chiens et les zombies. Donc, si vous voulez débloquer votre camouflage Dark Eater, je pense que c'est un très bon glitch. Alors, le seul inconvénient, c'est qu'à chaque fois que vous avez plus de munitions, il faudra descendre du glitch. Et à chaque fois que vous voulez changer d'arme pour faire un autre camouflage, il faudra redescendre du glitch et puis remonter. Alors pour ceux qui veulent passer des manches en illimité, je vous conseille de prendre l'arme spéciale, mais prenez l'amélioration Nova, comme ça vous allez faire plus de dégâts et vous passerez les manches plus rapidement. Ensuite vous aurez juste à tirer à vos pieds, là où les zombies pile-up, et vous ferez des manches en illimité. Alors pour ceux qui ont un Chronus Max, je vous mettrai un script en description que vous pourrez télécharger et je vous le mettrai aussi en commentaire. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le télécharger. Ensuite mettez-le dans la clé USB Chronus Max. Et pour activer le script quand vous êtes dans le glitch, vous avez juste à appuyer sur la flèche de gauche et ensuite ça passera les manches en illimité sans que vous fassiez rien du tout. Et ça activera votre spécialiste aussi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike et ciao. Peace.